Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer des baghrir. Ndouzou al-maqadir wa tariqat al-tahdir. Pour le maqadir nta al-baghrir, on a besoin de la semoule. Moi, j'ai pris de la semoule fine. Samida li nsaybou biha al-harcha. 3 kouous. Tlata kouous nta samida. 114 grammes. 114 grammes, 114 grammes. 114 grammes. Kaas nta chay. 114 grammes. 342 grammes. 342 غرام نتاع السميدة الرقيقة لا سمول فين 3 كويارات سوب دو فارين 60 غرام نتاع الفارينة 60 غرام دو فارين ان بو دو سيل معلقة صغيرة مش عامرة ان كويارة كافي با بلان ان تي بو دو سيل سيل على حسب الذوق Une cuillère à soupe de la levure boulangère. Malqa kbira nta al-khamira de l'khubz. Un sachet de la levure chimique. Un sachet de 11 grammes de la levure chimique. Khamira nta al-halwa. Une cuillère à soupe de sucre. Malqa. كبيرة نتاع السكر 650 مليليتر دولو تياد 650 غرام و 650 مليليتر نتاع المي دافي 4 كؤوس نتاع الشاي دولو Mets 3. Khamira. Sucre. Sucre. Et de la semoule. La farine. Du sel, il casse rabe, 4 cuous. Je vais les mixer 3 minutes. La salle d'aqaïk. Khamira. Voilà, je les mixé. Je vais les couvrir avec le plastique alimentaire et je vais les laisser 20 à 30 minutes. 30 daqiqa. 25 daqiqa à 30 daqiqa. Voilà, le baghrir, je l'ai laissé 25 minutes. Voilà, c'est la première crêpe. Et avant qu'on le mette dans la poêle, on le mélange avec la louche, on le tourne, et après on allume le feu, et on chauffe bien la poêle, et on le fait cuire. Le feu, quand on met les crêpes, la pâte à crêpes, on monte le feu, on déroule nar alia.
Voilà le baril. On le laisse refroidir sur un mindil. Et après, comme ça, c'est mieux qu'on le laisse refroidir un peu. Et après, on met une sur l'autre. Voilà les crêpes. بالصحة والراحة وبون ابيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On peut le manger avec de l'huile d'olive, on peut le manger avec de la confiture et on peut le manger avec du miel et du beurre aussi. Et encore, بالصحة والراحة وبون ابيتي.